Yo tout le monde, c'est TonyCraft, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de EGEP mode. Donc en gros, c'est on va le créer et du coup, nous on va commencer le mode. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais vous faire un timelapse. En fait, je vais faire tous les crafts et toutes les lampes. Donc, toutes les lampes en gros, c'est de là, celle-ci, jusqu'à. On va faire tous les items en gros jusqu'à cette page là, voilà, on va tout faire ça. Donc je vous le ferai en time lapse. Donc moi je crois que je suis rendu ici. Donc début du time lapse, hein, voilà, j'espère que ça vous plaira. Ok, bon, j'ai tout fini ce que je voulais faire, donc je suis arrivé tout en bas là jusqu'à l'image. Donc, la prochaine fois, on fera du coup les lanternes, donc, les lampes et tout. C'est, je pense, ce qui va être le plus galère. Donc, j'ai plutôt bien avancé, j'ai juste lancé le jeu pour tester. Ok, donc on va créer un monde. J'appelle toujours mes mondes de test. Donc, du coup, on a tous nos tabs ici. Bon, alors. Par contre les dessins, bon voilà, c'est pas trop ça, mais j'avais rien d'autre à mettre, donc voilà. Donc ici il y a le EGEP mode, là il y a toutes les lampes, ça, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Bon c'est pas grave, je vais essayer de la refaire. Donc on a bien toutes les lampes, je vais pas essayer tous les crafts parce qu'il y en a beaucoup. Et après il y a ce bloc là. Faudrait peut-être parce que là j'ai pas mis de rotation. Ouais je sais pas. Bon après du coup il y a le EGEP mode. Je sais pas si c'est la meilleure résolution ça, je pense que ouais, je sais pas. Et de loin on voit bien que c'est que ça fait bien ça. Là je sais pas si du coup il y a pas combien. Bon en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partagez la vidéo avec vos amis pour le développement de la chaîne. Ciao ciao.